guitare, fait du métal à côté. Mes identités Matissia, c'est ben, Mathieu, qui écrit les paroles de production françaises. C'est un album qui s'est... album, il y a une 12-13 chansons, plus à venir, maquette, voilà, comme on peut le faire. Et donc chacun avec son style différent apporte du dynamisme, un peu de harmonie, féminité. Surtout la gentillesse de venir pour la deuxième fois en fait cette édition organisée par l'association Abou Lassé. Ils ont fait venir la première année, ils nous réinvitent la seconde année, donc c'est vraiment un plaisir, c'est une belle organisation. Il y a très peu d'organisations et d'associations qui mettent autant de moyens, autant dans la communication que dans la réception des groupes. C'est forcément toujours un joli moment de partage. Yeah.
termes de composition, bah, tout le monde bosse pas mal au final. Il y a tout le monde qui est bien autour du truc. Guillaume fait pas mal de paroles, il travaille sur les paroles. Moi c'est plus musical et puis enfin, les autres aussi travaillent bien musicalement. Ouais. Donc on a créé l'association À vous la scène en 2013, en janvier 2013. Et le premier concert de l'association s'est déroulé le 6 juillet 2013 à Poyanne. Et le dernier concert en date donc, s'est déroulé le 8 mars 2014 à Poyanne. L'idée de base de créer l'association, elle nous est venue quand on en a eu marre en fait, de faire des kilomètres pour aller voir des concerts. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas nous organiser des concerts près de chez nous à Poyanne quitte à avoir des petits budgets au début. Ouais, c'était un peu notre rêve, on va dire, notre ambition. Voilà. Et pour l'organisation, c'était quand même beaucoup plus pratique de faire quelque chose dans mon coin. En plus, pour apporter vraiment des concerts, une culture particulière dans notre canton. Quoi. Donc on est parti sur l'idée d'un concert par an. À chaque concert, on a reçu une quarantaine de personnes, une quarantaine d'entrées. Donc le 6 juillet, on a fait venir Maticia, Clé de Rock et The Schizophrenes, le groupe dans lequel on joue. Et le 8 mars, donc, on a refait venir Maticia, Revistay dont on jouait, et les Why Not. Voilà, donc tous ces groupes, c'est des groupes locaux, en fait. Et d'ailleurs, c'était un autre objet de l'association, c'était de faire connaître voilà, ces groupes locaux, justement, et de les faire jouer donc, dans des bonnes conditions, des réelles conditions de concert, avec le matériel, la salle, l'accueil, etc. Ah, et on a rencontré tous ces groupes en fait des scènes communes, des tremplins et des concerts dans des bars. Donc en fait on espère pouvoir développer ce projet vers des concerts à plus gros budget ou pourquoi pas un festival d'un ou deux jours. Que c'est enregistré tout ça. Oui, je sais, oui.